demandez probablement pourquoi est-ce que je suis à Bourg-en-Bresse, qui est une ville complètement perdue. En fait, c'est parce que cet après-midi, je vais faire de l'hydrospeed. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de l'hydrospeed, soit vous allez voir tout à l'heure, ou en fait, en gros, c'est comme du rafting, sauf qu'il n'y a pas de bateau, on n'est pas plusieurs, et on a juste une coque pour nous protéger. En fait, c'est pas du tout comme le rafting. Donc en fait, on est en Savoie, en plein dans les Alpes, et il fait super froid. C'est la première fois que je mets un sweat depuis 3 mois à peu près. Ok, donc là on part en voiture, on en a à peu près pour une demi-heure, c'est ça? Pour une demi-heure. J'espère qu'on sera pas en retard. Écrasé! Ok, donc je prends pas la grosse caméra parce que de toute façon ça sert à rien, elle est pas étanche. Et par contre je prends les GoPro. Faut que je pose ça. Sinon l'hydrospeed, c'est pas la première fois que j'en fais, c'est probablement la troisième ou la quatrième. C'est vrai que je suis un professionnel. C'est là où je vais devoir insérer des plans où je me prends de l'eau dans la gueule. Mais en tout cas, c'est super fun. Ok, donc là, le micro est forcément moins bon. En plus, je viens de poser mes lunettes. Donc en plus d'être moche, je suis complètement aveugle. C'est super pratique. Le plus chiant dans l'hydrospeed, c'est qu'il faut se changer. Et la tenue est absolument horrible à mettre. Il est 17h30, waouh, je vais me remettre au soleil. Il est 17h30, on a fini la descente à peu près vers 16h. Enfin, à 16h, on était complètement déshabillés, tout propre. Sauf qu'on avait horriblement faim et on s'est arrêté à Bourg-en-Bresse. Petite contrée, peut-être ville. Je trouve pas le mot. C'est boutade qui sort. Petite pintade. Non, pas ça non plus. Voilà, petit lopin de terre très gentil, très mignon, très beau, très sympa. Il y avait une bonne boulangerie. Et là, mon père est revenu chercher la montre qu'il avait oubliée. Quand on est parti. Regardez, il est verron. C'est la réincarnation de David Bowie. Rien de tel qu'une bonne tasse de thé pour finir une journée mouvementée. Il est dégueulasse.
Avec ça, je ressemble à un architecte. Ah, c'est dégueulasse.